Bonjour. Bonjour. Vous n'êtes plus l'homme à présenter aux kimbanguistes qui vous suivent presque tous les jours à travers le média. Mais votre passage ne peut être laissé passer inaperçu, eu égard à la mission que le chef spirituel vous a confiée. Peut-on savoir aujourd'hui où en êtes-vous? Oui, comme vous le savez, il ne faut pas être surpris de nous voir régulièrement ici. Le professeur Eli Kambokolo avait annoncé que nous serions toujours avec vous. Et dans toutes les circonstances, et surtout que son éminence de chef spirituel nous a confié de responsabilités assez importantes que nous essayons d'exécuter et d'assumer dans les limites de nos capacités intellectuelles. Donc nous sommes venus pour compléter, et comme vous le savez, que depuis un certain temps, nous sommes en train de finaliser la carte de Nkamba, la ville sainte. Donc nous sommes en train de finaliser cette carte. Nkamba n'a pas de carte qui puisse permettre à un moment donné de demander notamment le statut d'une ville sainte. Donc c'est un préalable. La conférence donc, internationale sur Papa Simon Kimbangu avait entre autres demandé que Nkamba soit érigé au niveau d'une ville sainte. Or le préalable c'est tout d'abord une carte. Et cette carte, nous sommes en train de l'achever. Et les cartes, donc le 6 avril, la carte sera présentée. Donc nous travaillons en concert avec nos collègues du Canada, donc des Canadiens et consorts. Donc le 6 avril, nous serons prêts pour présenter la carte. Mais ça, c'est une première version. Il y aura une deuxième version parce que son éminence a demandé qu'il y ait une deuxième carte qui intègre un plus grand espace. La carte que nous allons présenter couvre une superficie de 25 km carrés. Superficie de 25 km², vous la verrez le moment venu. Donc nous sommes venus pour ça et surtout pour compléter quelques 4 ou 5 villages qui ne figuraient pas sur notre carte. Et notamment la rivière aussi Tombé. Donc la rivière Tombé, c'était, vous le savez, de par l'histoire de l'Église, elle est très très importante. C'est dans cette rivière que Papa Simon Kimbangu a été baptisé et vous connaissez donc l'histoire. Donc nous sommes venus pour compléter cela. En même temps aussi, pour dire que d'autres travaux sont actuellement en cours. Derrière des finalisations, notamment les actes de la conférence qui seront publiés en 2 volumes de 760 pages. Les actes sont pratiquement prêts. On attendait le texte du docteur Ramona Toscana donc, qui est arrivé et nous sommes à ce moment-là prêts. Comme également le livre sur les œuvres sociales de l'Église. Parce que les œuvres sociales, on les réalise, mais on ne sait pas exactement à quels endroits. Donc, ce livre également est en train, la version française et anglaise est prête. Donc, ce livre aussi sera le moment venu présenté. La carte également concernant les lieux de relégation de tous les Kimbangus dans le pays, cette carte également est en train d'être achevée. Donc, c'est pour vous dire que le travail est assez abondant. Et comme également le grand travail sur le relégué Kimbanguiste en 20 volumes va commencer, nous avons déjà récolté une somme de données et de documents à partir de Bruxelles, à partir notamment des archives nationales, où nos assistants ont travaillé pendant 4 mois à 5, photocopiant l'ensemble des dossiers qui se trouvaient là-bas. Donc nous sommes en train de nous préparer pour de grandes réalisations, pour de grandes publications, telles que son éminence, le chef spirituel, Simon Kimbangu Kyangani, l'avait demandé, et l'Église l'avait souhaité. Voilà pourquoi nous sommes venus. Donc, nous viendrons toujours. Mais il y a d'autres travaux, notamment
les lieux que l'Église considère comme saints. Ok, nous avons commencé le travail avec Ratelk ici, nous avons commencé à enregistrer cela. Donc, à un moment donné, ça aussi, il y aura des documentaires là-dessus que vous allez faire, puisqu'il y aura aussi des brochures pour chaque lieu saint qui explique aux fidèles dans les quatre langues nationales, et en français, et en portugais, et en anglais, que signifient ces endroits-là pour que les fidèles puissent les consommer. Voilà la raison d'être. Vous avez donc le professeur Aloni que vous connaissez, l'ancien recteur de l'université de Lubumbashi, qui est le doyen. Donc voilà, on est ensemble, plus nos trois assistants. Professeur Aloni, vous avez accompagné le professeur Sabakinou. Qu'est-ce que vous pouvez proposer à l'État congolais pour la protection de cette œuvre salvatrice de Papa Simon Kimpangu, pour ce que vous êtes en train de faire? Est-ce que vous êtes accompagné par l'État congolais? Mais l'État congolais, disons qu'il nous protégera à partir du moment où nous nous protégeons nous-mêmes. Donc il faut que nous protégeons nous-mêmes le site avant de demander à l'État congolais de pouvoir appuyer cette action. Parce que le travail est d'abord le travail de l'Église et il ne faut pas toujours chercher à ce que d'autres personnes viennent nous appuyer. L'État congolais, par les dispositions qu'il prend en faveur de l'Église, nous protège déjà. Ça va? Oui. Un mot de la fin, professeur? Oui. En tout cas, nous sommes contents. Nous avons eu un long entretien hier avec son éminence de plus d'une heure avec Papa Mbetsa. Nous avons évoqué l'ensemble de programmes, les étapes, et nous osons croire que nous essayons de répondre aux préoccupations, aux soucis de son éminence, le chef spirituel Simon Kimbangu Kyangani. Voilà, nous rentrons maintenant parce que nous devons prendre quelques villages, Nsala et Nsaka, et puis la rivière tombée. Comme le ciel est clément, les satellites sont clairs, on a déjà fixé les satellites, donc nous allons prendre ce qui nous manque comme données. Voilà, nous sommes contents, nous reviendrons les quatre. Merci. Ok, merci, au revoir. Mazout et papa. Alors, tant ce qui est
Alors, compresseur, quand il y a un supporter à charge, il faut que tu aies 50. Il fallait battre. Peut-être corde Yann Yukaran et Yahon Sono. Yahon Sono mécanique. Quand c'est. Révérend, bonjour. Bonjour. Alors, papa vient de visiter pour une fois l'imprimerie. Et c'était vraiment proclamé pour aujourd'hui. Et qu'est-ce qu'il est venu faire exactement? C'est à vous de nous faire la lecture. Monsieur le journaliste, je sais que c'est la deuxième fois que vous êtes venu avec le chef spirituel à l'imprimerie. La première fois qu'il était venu, c'était il y a une année. C'était juste pour l'installation. Nous avions commencé les travaux. Mais il s'est fait malheureusement qu'avec le manque de courant, nous avions un peu stoppé les travaux. Et nous avons été amenés à acheter un groupe électrogène que vous avez dû voir. C'est ce groupe électrogène qui va nous permettre maintenant de travailler même pendant la journée. C'est comme ça qu'il est venu faire démarrer le groupe électrogène et voir aussi quelques autres machines que nous venons d'acquérir qui peuvent nous permettre de faire le bon travail. Alors, vous avez débuté le travail à longtemps, en fait, vous étiez freiné par manque d'électricité. Maintenant, exactement, qu'est-ce que vous aviez enchanté pour que les fidèles et la communauté kimbanguiste soient au courant de ce que vous faites ici? Je sais que le chef spirituel avait déjà dit, il y a de cela une année, comme je l'ai dit, que tous les travaux dont on a besoin au niveau de l'église devraient se passer ici. Nous avons le problème d'impression des fiches, que ce soit les fiches scolaires, les fiches mais de chrétiens, les fiches qui concernent les travaux de l'hôpital, par exemple, les bons de commande, les carnets, tous les documents qui peuvent être imprimés, nous sommes en mesure de le faire. En plus de cela, il nous a donné le devoir de pouvoir réimprimer tous les documents ou tous les livres laissés par nos papas. Entre autres, les Bivouyens Voutou, Ntézian Tango, Sonoya Velela, tous les documents là que nous devons remettre en chantier. Et effectivement, s'il y a d'autres personnes qui arrivent avec leurs livres ou ouvrages, nous pouvons aussi les imprimer. C'est ce que nous mettons à la disposition de l'Église en général, enfin en particulier, et à toute la population, pas seulement congolaise, mais du monde entier en général. Maintenant, quelles sont les conditions pour mettre en chantier ce qu'une personne peut demander à l'imprimerie kimbanguiste en Kamb? Évidemment, quand vous venez avec votre ouvrage, il y a un tableau de tarification, on vous fait voir. Ça dépend du format que vous allez utiliser, ça dépend aussi du nombre de pages, ça dépend de la qualité de papier qu'on va utiliser. Parce qu'il y a l'impression sur papier dur,
et de papier sur papier, et enfin des impressions sur papier, duplicateurs, ainsi de suite. Donc tout dépend de la qualité de papier qu'on va utiliser. Donc quand vous venez sur place, il y a un service d'accueil qui va vous recevoir et qui va vous montrer toutes les conditions. Alors vous faites combien d'exemplaires par minute ? La machine est capable de faire entre 4000 et 9000 copies par heure. Si j'ai dit entre 4000 et 9000, c'est compte tenu du fait que les papiers qui sont légers, pour ne pas avoir beaucoup de gâchis ou bien beaucoup de ratés, il faut diminuer la vitesse. Mais les papiers tels que le papier duplicateur, on peut augmenter jusqu'à 8. Et pour le carton, on peut arriver même à 10 000 copies par heure. Merci, révérend. C'est moi qui vous remercie parce que vous me donnez aussi l'occasion de pouvoir dire à toute la population ce que nous sommes en mesure de faire.